Goedenavond, Patrick. Goedenavond. Hoe gaat het? Beter. De laatste dag, ik ben ziek, totaal ziek. Van de neus en de voix. T'as des problèmes de voix? Des gros problèmes. Des gros problèmes. Mais et ça s'arrange. Mieux maintenant. Voilà. Comment c'était sur le grand podium ici à Moscou? Ok, en français, en anglais? En français. Alors, le premier jour, je revenais d'un Optreden, un concert à Moscou. On avait beaucoup bu de vodka et j'ai vu. Waouh! C'était. Gloup, quoi. Bon. Alors, on a fait le show, c'était très bien, mais il manquait le chat, il manquait le cat dans les écrans. Après la répétition, je suis parti à Saint-Pétersbourg. Trois shows. Et là, j'ai attrapé le rhume. Et quand je suis revenu, j'étais. Donc, pas bien du tout, quoi. Tu es ici dans le pays du vodka, il faut boire du vodka pour ta gorge. Apparemment, oui. Apparemment, oui. Mais je crois que oui. Mais j'adore la Russie, hein. Je suis fou de la Russie. Les gens ont l'air durs. Mais quand tu les connais, ils sont un cœur en or, quoi. Finalement, je suis comme un Russe. J'ai l'air méchant, mais je suis très gentil, en fait. T'as l'air méchant, pourquoi t'as l'air méchant? Bah, que c'est les cheveux, ça fait voyou, tu vois. Oui, t'es un voyou, ça on sait. Mais un gentil voyou. Un bad boy, mais gentil, quoi, tu vois. La Belgique, est-ce que finalement on va entrer en finale cette année? Je le crois, oui. Tu le crois? Il faut être sûr et certain. Non, mais je suis sûr. En fait, il y a tellement de bonnes critiques par rapport aux vrais gens qui font l'Eurovision. Les vrais critiques, les journalistes, les gens. Les Russes attendent que ça, les Hongrois attendent que ça, les Tchèques. Plein de gens viennent chez moi et disent « Il faut et vous allez passer ». Et s'il y a un pays qui sera sauvé, il y a d'office Israël, d'office Turquie qui sera sauvé. Mais s'il y en a un qui sera sauvé, à mon avis, la Belgique en sera. Parce qu'on est les plus marrants, les plus originaux. Le plus spécial, quoi. Et sympathique, surtout. Sympathique. Et qui gagne l'Eurovision 2009? Écoute, j'aimerais que ce soit moi. Bien sûr. Et si c'est pas toi? Tu sais que je suis français d'origine. Oui. Alors, Patricia. Voilà. Notre Patricia Fkar. Voilà. Et sinon, mon ami Soraya. C'est mon Pourquoi ami. Pourquoi ton ami? Parce qu'on s'est rencontrés en promotion à Amsterdam pour l'Eurovision. Et on est devenus très copains. Et je dois encore lui apprendre à danser le rock'n'roll, d'ailleurs. Et on est devenu très copains, elle parle français, elle connaît les mêmes musiques que moi, espagnole, mexicaine, alors autant que soit elle. Pendant le week-end de Eurosong.be, tu as dit que tu allais distribuer des chocolats galères. Pas moi, c'est prévu pour quand? Pour le jury, pour les acheter en fait. Pour acheter le jury? Mais le jury c'est aussi les télévoteurs. Ah, alors oui. Tout le monde à la maison reçoit un... Ben, je pense, ça il faut demander à la délégation belge, hein, tu vois, ils ont plein de chocolat galère, plein, en boîte Elvis et tout quoi. Et il faut demander à la délégation, hein, donc il faut demander à la Belgique délégation, Leslie, Gabel ou Marina de voir. Et vous avez du chocolat. Patrick, soignez ta voix, que tu chantes encore après-demain et que tu gagnes enfin... pour la Belgique, pour la deuxième fois, quand la grande victoire 2009 et l'année prochaine, Bruxelles ou Antwerpen. 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 Merci beaucoup. Thank you.